Alors, je reviens sur l'ouvrage imposant, le pavé, sorti par nos amis anglo-saxons, Geoffrey Dean qui est australien, et les autres qui sont, il y en a qui est un irlandais, je crois, Smith. C'est lui qui a un site où il a publié la traduction française de Mon Astrologie. Mon Astrologie face à son client. Et je disais qu'il y avait une grave lacune dans leur recensement, c'est-à-dire à cause de moi, parce que je n'avais pas fait traduire certains de mes textes en anglais. Et notamment, il y a un tableau qui manque douloureusement dans leur ensemble, c'est ce tableau-là. Et ça, ils ne pourront pas se pardonner de ne pas l'avoir mis en ligne. Voilà. Alors, évidemment, c'était paru il y a près de 30 ans, et d'autre part, j'ai fait des développements récents qui vont largement au-dessus de ça. Mais, par contre, en effet, ils ont rendu compte de mes travaux sur la consultation. Parce que voyez-vous, finalement, je suis quelqu'un qui touche à tout. Et la consultation a été un problème qui m'a occupé il y a une trentaine d'années, quand j'ai publié « Clés pour l'astrologie », deuxième édition, j'ai développé la notion de cosmothérapie. C'est-à-dire que l'astrologue devait à l'époque, c'était pas du tout mon point de vue actuellement, mais enfin, devait à l'époque faire semblant d'interpréter le thème astral, faire semblant de parler le langage de son client, tout en lui faisant passer des messages qui sont de l'ordre de la communication et non pas de l'information. Alors ça, Geoffrey Dean rencontre très largement de ce travail que j'ai fait, et on a l'impression que c'est la seule chose que j'ai faite sur l'astrologie, qui est complètement... complètement déséquilibré. Alors, il y a d'autres travaux qui sont signalés. Par exemple, Patrice Guinard avait, c'était mon tort d'ailleurs, avait largement, s'était largement occupé de la traduction de ses ouvrages. Et ça se répercute largement dans ce Understanding Astrology qui vient de sortir. Bon, je vais peut-être faire un effort, mais comme je disais dans une autre vidéo, on est dans... Quand on est en solsticialité, on ne cherche pas l'international. Et maintenant qu'on est dans l'équinoxialité, on va travailler sur l'international.